À vous très heureuse de vous retrouver on est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe bien sûr bonsoir à tous les cinq bonsoir, bonsoir. À Émilie votre choix de l'actu du jour C'était une stratégie annoncée depuis euh, des semaines et bien ça y est hier soir la Russie a lancé son offensive massive dans le Donbass. L'objectif, c'est de faire tomber l'Est de l'Ukraine. Une bataille cruciale pour Vladimir Poutine. On en parle avec Ulysse Gosset, éditorialiste spécialiste des questions internationales à BFM TV. Mohamed, votre story du jour. Ça y est, demain soir, le débat tant attendu aura lieu entre Marine Le Pen et le président candidat Emmanuel Macron. Un débat sous tension, millimétré. Je vous emmène ce soir dans les coulisses de l'organisation de ce débat. Et les questions aussi de Marine Le Pen dans votre édito ce soir, Patrick. Oui, pris les pieds dans le voile, c'est pourtant une mesure d'interdiction qu'elle proposait depuis dix ans. On soumet justement cette question du voile et des contradictions de Marine Le Pen à Philippe Ballard, conseiller régional de de france et porte-parole du Rassemblement national. Il sera présent demain aux côtés de Marine Le Pen lors de ce débat. Évidemment très important. Mathieu, dans le 5 sur 5 La plateforme de livraison de repas à domicile Deliveroo, condamnée pour travail dissimulé. C'est la première condamnation pénale pour ce genre de plateforme qui pose la question des travailleurs indépendants. Sont-ils en fait des salariés cachés On va en parler tout à l'heure. Dans le 5 sur 5 de Mathieu ce soir et dans l'œil de Pierre. Pierre. C'est un refrain éternel et son auteur, Bobby Lapointe, aurait eu 100 ans aujourd'hui. On l'évoquera tout à l'heure. Hommage ce soir à Bobby Lapointe dans l'œil de Pierre. Hommage aussi à l'aristocratie britannique telle qu'elle est représentée dans cette euh, série géniale Downton Abbey. <laughs> euh, pardon, <laughs> Abbey, voilà une série formidable dont tes fans, euh, Michel Obama, les Rolling Stones, George Clooney et nous assez à cet on en reçoit l'une de ces euh, Actrice principale, elle s'appelle Elizabeth McGovern. Elle interprète Lady Cora Crowley. On adore Lady Cora Crowley. Et Nathalie Bay a décroché un, un rôle. Dans, dans Dunton Abbey, qui devient pour la deuxième fois un film au cinéma. Je sais, c'est long, euh, je, mais parce que voilà j'improvise sous vos yeux ce soir, ce qui n'est pas le cas de notre chef, Alexandre Attab, qui lui ne va pas improviser. Il est fin prêt, chef et cofondateur d'Avocateria. C'est au bar, dans le deuxième et le 11e arrondissement de Paris. Est-ce que j'ai du pif si je vous dis que vous allez nous servir de l'avocat ce soir eh ben non, c'est bien ça, Babette. Bonjour. Ah oui, donc euh, j'en ai un peu quand même. <laughs> eh ben dans nos restaurants, en fait, on va fusionner, enfin, on fusionne euh, elfi, le healthy, le sain et le gourmand, et puis on appelle ça le Green Band. Donc toute cette semaine, on va vous dégoter pas mal de choses sympas, et ce soir, ce sera l'avocat toast. Avec un gâteau, un brownie à l'avocat. Alors ça. Ce sera demain. Aujourd'hui, c'est un, un, un cookie, un cookie au tahini, pardon. Aujourd'hui, c'est bouillabaisse. <laughs> ok, bouillabaisse à l'avocat. Merci, chef. À tout à l'heure. Jimoisin, avant le débat de télévisé demain soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour préparer ce duel, la candidate du Rassemblement national a décidé de disparaître des médias. Pas un mot, pas une image depuis hier en début d'après-midi après une visite à Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados, une commune de 7500 habitants où elle est arrivée en tête. Au premier tour, Louis Amar et Anaïs Recouli l'ont suivie entre bains de fans et propos de campagne. <laughs> Emmanuel Macron qui dit que vous vous planquez du peuple. Euh, ben, tous les gens qui sont là et sont doux, ils sont pas du peuple. Les Français sont pas trop bêtes. Et à un moment donné, il faut changer un petit peu. On a vu 50 ans Macron, ça n'a rien fait. Donc, euh, faut voter quelqu'un d'autre pour voir. Je suis à fond Marine. J'ai voté en 2017 Marine. Je veux absolument Marine. C'est pas vous je me bats. Vous oubliez jamais ça. Hein. Non, non, non. Voilà. Je avec vous, vous êtes avec Jocelyne, maman est en train de parler avec Marine Le Pen. Oui, tu te rends compte Non mais papa fait le tour de son cercueil là. Moi ce que je souhaite, si vous voulez, surtout c'est que le débat le se, débout, le se déroule, le déroule le sereinement. J'espère que ce ne sera pas une succession d'invectives, de fake news, d'outrances. Qu'est-ce que des conférences, de madame là. Le Pen vous avez par tout. Moi j'aimerais juste vous poser une question, comment vous financez vos réformes sociales En réalité vous avez creusé la dette parce que vous avez fait des cadeaux à ceux qui sont les plus riches et vous avez écrasé ceux qui étaient les plus pauvres. La seule qui pense à notre pouvoir d'achat c'est Marine. Est-ce que vous pensez que cette année, elle peut gagner Et si oui, pourquoi Je sais pas Pourquoi Le ras-le-bol. Le ras-le-bol ras de ce qui se passe. J'espère que vous allez passer. Hein. Oh, oh, oui, franchement oui, oui, pas trop de Bonsoir, bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir. Porte-parole du Rassemblement national, conseiller régional d'Île-de-France, soutien de Marine Le Pen. Vous oui, serez pas, pas très va. loin d'elle demain soir, pas oui. très loin du plateau elle débattra face à Emmanuel Macron. On y revient tout à l'heure. À cinq jours du deuxième tour, euh, disparaître des radars médiatiques, c'est pas un peu risqué? Ça veut dire qu'elle elle n'a plus à convaincre les Français ouais, Depuis septembre, euh, Marine Le Pen est sur le terrain. Elle fait deux, oui, trois est déplacements. Là que ça se joue, là, oui, ça mais a, chaque que, seconde compte là. Je pense que les Français ont, ont bien compris qu'Emmanuel, mmh. euh, que pardon, Marine Le Pen était à leur côté. Elle va sur le terrain, leur parle de pouvoir d'achat. Le reportage que vous avez diffusé est assez significatif. Moi, quand je distribue des tracts, on ne parle que de pouvoir d'achat, que de santé, qu'un thème malheureusement euh, absent, et puis de sécurité euh, également euh, et d'immigration. Donc, les Français ont compris le message. Euh, Emmanuel Macron. Lui, seulement euh, bah depuis quoi Une semaine 15 jours Il commence à aller à la rencontre euh, des il Français. Pas il forcément serait temps que les communes où il est arrivé en tête. Euh... Bah, C'est compliqué parce que Marine Le Pen est arrivée en tête dans 22 000 communes sur 34 000. Donc, fatalement, statistiquement, elle a quand même des chances d'aller dans une commune qui l'a placée euh, en tête. Puis Emmanuel Macron, quand même, dans ses euh, déplacements. Moi, j'ai été vraiment marqué euh, par son meeting de samedi après-midi où euh, il y avait Marseille. Il y avait des invectives. Euh, Monsieur Boudjellal, qui parlait avant elle, euh, a eu des propos énormes. Voire racistes, parce que les racistes sont pas du tout du côté où l'on pense. Je, je parle. Racistes, oui, oui, oui dire... parce que quand on prend sa déclaration de bout en bout, quand il dit, vous l'avez sans doute vu, euh, les électeurs du Rassemblement national Marine Le Pen sont racistes, les dirigeants sont racistes, mais le début de sa démonstration, il a fait en disant, si ces électeurs euh, estiment que la délinquance, ce sont le fait principalement de gens immigrés ou ici de l'immigration, lui il fait un parallèle avec la génétique. Enfin, quand on en arrive là, reprenez, reprenez euh, toute la, la séquence. Et de génétique, il en arrive à ses propos. Donc, ses euh, électeurs sont racistes. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de questions de wokisme, de, de cancel culture, euh, d'intersectionnalité. Et on est en plein dans ce mouvement. Donc, ça en ce moment, sentir, si les électeurs du FN pensent effectivement ouais. qu'il y a un lien entre immigration et insécurité, ce sont, je dis que ce sont des racistes. Oui, mais avant, ça, il ça, a ça il une démonstration. Non, 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 mais il faut, faut la reprendre. Non, coupé, non, elle, avant, non, non, mais avant, non, mais... Pas tout, visiblement, parce qu'avant, il y a toute une démonstration sur. Euh, il, a, il a soit sa démonstration sur la génération. Ah, il faut bon, reprendre, vérifier ce que, ce que je dis. Une campagne ou sur le terrain, donc, certaines parties de son programme lui valent des interpellations de Français et de Françaises, comme notamment sur la question du port du voile. C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Marine Le Pen n'assume plus de vouloir interdire complètement le port du voile. Oui, c'est le revirement le plus soudain, le plus spectaculaire de toute l'histoire des entre-deux-tours présidentielles. S'agissant non pas d'une promesse improvisée sur un coin de table, mais d'une mesure que Marine Le Pen porte depuis 10 ans, 2012, université d'été du Front National à la Baule. À l'époque, elle dit vouloir interdire dans la rue tous les signes religieux et donc à la fois le voile et la kippa. Je demande à nos compatriotes juifs ce petit effort, ce petit sacrifice, sûrement, mais qui permet une égalité entre les exigences que l'on demande aux uns et aux autres. Vous imaginez ce que l'on aurait dit si jamais j'avais demandé à ce que cette interdiction ne frappe que le voile. Évidemment, immédiatement, j'aurais été probablement brûlé en place de grève pour islamophobie. Oui, Qu'est-ce qu'on aurait dit? Alors on retrouve ensuite la proposition dans son programme présidentiel de 2017, mais elle concède que les Petite kippa pourrait être autorisée. 2022, plus question de kippa. C'est le voile seul qui est visé. Marine Le Pen le considère comme un uniforme islamiste. Et puis soudain, à huit jours du second tour, Fatima est arrivée et elle a tout fait dérailler. Fatima Oui, Fatima Ben Malek, grand-mère de 70 ans euh, d'origine algérienne qui a croisé la route de Marine Le Pen. On la voit là vendredi matin sur le marché du Pertuis, de Pertuis dans le Vaucluse, avec son voile blanc euh, en dentelle. Fatima l'a interpellée en lui disant simplement devant les caméras. Pourquoi voulez-vous l'interdire Mon voile, c'est un signe de grand-mère. Brusque retour du réel. Quatre jours, quatre jours seulement, séparent ces deux déclarations de Marine Le Pen la semaine dernière. Nous faisons une loi avec une interdiction de port du voile dans l'espace public. Si vous euh, ne respectez pas la loi, eh bien vous avez une amende. C'est aussi simple que cela, euh, et croyez-moi, ça ne posera pas plus de difficultés que cela. Ce sont des problèmes qui sont des problèmes complexes. J'en je, je, suis parfaitement consciente de cela, hein. je ne suis pas, euh, euh, comment dire, obtue. De toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui aura lieu dans le débat. Et voilà comment un problème simple pendant 10 ans, on fait une loi, on met des amendes, devient subitement complexe à une semaine du second tour. Marine Le Pen n'avait-elle donc jamais, durant ces dix années, échangé avec une grand-mère, avec une femme voilée Elle n'a pas tort de dire que de toute façon, si elle devient présidente, cela, ce, cela sera au Parlement d'en discuter. Oui, comme l'ensemble de son projet, mais le paradoxe, c'est qu'on parle là de la partie la plus précise et la plus détaillée de son programme, lequel comporte une loi déjà rédigée, un texte clé en main, qui ne vise rien moins qu'à éradiquer l'islamisme. 40 articles, le premier article tente de définir l'idéologie islamiste, incompatibilité radicale avec nos lois, refus de respecter la laïcité, etc. Les 39 autres l'interdisent et la sanctionnent partout où c'est possible, dans la rue, dans les journaux, les livres, les publications jeunesse, les fonds de bibliothèque, le cinéma, censure de toute apologie de l'islamisme et même d'une quelconque complaisance dans son évocation. Je vous laisse imaginer comment mesurer le degré de complaisance et peut-être qu'en disant cela, cet édito pourrait être taxé de complaisance. Quoi qu'il en soit, toute personne qui manifeste ou diffuse cette idéologie peut être licenciée, privée de ses droits sociaux, déchue de sa nationalité française. L'article 28 prévoit l'interdiction de séjour des ressortissants d'un État. Appelant à la haine de la France, donc les Turcs et les Iraniens dehors. L'article 12 nous dit que l'enseignement public devra faire naître et affermir les sentiments patriotiques et la conscience de l'unité nationale. Et c'est au milieu de tout ça que l'article 10 prévoit l'interdiction des signes et tenues islamistes, dont le voile ferait partie, d'après Marine Le Pen, ou faisait partie, jusqu'à l'irruption de Fatima. Le réel, c'est quand on se cogne, disait Lacan. Marine Le Pen n'avait donc jamais échangé avec une grand-mère qui porte le voile, qui a choisi de porter le voile Si, euh, alors quand même entre 2012 et 2022, par définition, il y a 10 ans, et depuis 10 ans, on peut dire que le communautarisme... Et L'islamisme dans certains quartiers, euh, tout ça se l'est développé. Cette grand-mère euh, qui dit j'aime la France, et on a tout lieu de le, le croire. Observe, en amour, il y a des preuves d'amour, et je pense qu'une belle preuve d'amour, c'est de euh, quand on arrive d'un pays étranger, qu'on arrive sur le territoire national, de s'assimiler. Et une preuve de l'assimilation, ça peut être de respecter les us et coutumes et les lois euh, qui viennent. Ça veut dire qu'elle aurait dû l'enlever depuis longtemps. Ben, dans la sphère Parce privée, que on fait ce que. Non, mais il y aura une loi de voter, donc mm. euh, ça ne sera pas euh, effectivement la même situation que, que maintenant. Donc, euh, dans la sphère privée, évidemment, on, on pratique sa religion, ça ne me pose mm. même pas de, de questions. On peut être français. Euh, être français, ce n'est pas une histoire de couleur de peau, ce n'est pas une histoire de, de religion. Le tout, c'est de ne pas brandir euh, ce foulard. Euh, ce voile, plutôt, pardon, ce voile, je dis bien ce voile, comme un, un étendard. Parce qu'il n'y a pas que le voile, il y a aussi euh, les plages horaires réservées dans les piscines, euh, le burkini, les repas halal exigés euh, dans euh, les cantines. Et tout cela, c'est du, go pardon, du communautarisme, communautarisme à l'état ouais. pur, et ça divise, ça fracture, ça fragmente le pays qui n'en a pas besoin. C'est un signal envoyé aussi à tous ceux qui viendront en France. On va évidemment ouais. restreindre drastiquement l'immigration, mais euh, la France, euh, ce n'est pas, pas open bar. À quelle échéance Fatima devra enlever son voile bah, sous ce... peine d'une amende bah, Si vous avez écouté euh, Jordan Bardella ce matin qui était sur une chaîne euh, d'infos, euh, durant, voilà, ouais. durant le quinquennat, euh, la loi sera votée et euh, il y aura effectivement une amende, mais on va faire ça euh, bon, bon. intelligemment. C'est-à-dire il y aura de la pédagogie et il y aura de la répression, tu sais, c'est comme les ceintures de sécurité. On non. fait partie d'une oui. génération, on pouvait fumer au restaurant dans les trains oui, mais dans ça les sauve avions. Les vies, ça la ceinture de sécurité, du, hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça sauve les vies. Ah ben, voilà. Vous ça savez, sauve... l'islamisme, ça peut euh, emporter des vies. Ouais. Dans la profession de foi soumise aux électeurs du second tour que j'ai consulté tout à l'heure, Marine Le Pen fait, fait, fait un dépliant. Hein. Il y a une double page sur les, ce que je ferai dans les 100 jours. Mm. Et dans les 100 jours, il y a l'examen de ce projet de loi. C'est une, Et une la... proposition de loi là. Oui, bah, ce qui... ça c'est déposé par les députés. Hein, Pardon, euh, c'est le, 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 le point 2. Euh... C'est le point 2 de votre oui. programme, du programme de Marine Le Pen. Ce, 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 mais ça ce projet fait, de loi, et fait. elle a promis de le présenter dans les 100 jours. Aujourd'hui, mmh. elle dit ce sera, euh, on verra, mais, ce allez, sera à la fin du quinquennat, c'est plus la discussion priorité. Discussion à l'Assemblée nationale, vote, on publie les décrets et on commence l'application. Donc là, on peut ça, jouer 100, mois, 100 ça, jours, 3 euh, mois, 6 mois. bon… Oui. À la fin du quinquennat et sans doute ans, avant, oui, oui, mais sans doute avant, cette loi sera votée Donc, et appliquée. Ah bon. Mais non, c'est pas, c'est pas. C'est moins recul. urgent, c'est Ça sera fait, ça sera fait euh, d'ici deux ans, un an et demi. Euh. Il y a oui. d'autres choses, vous savez, il y a le pouvoir d'achat, euh, la sécurité. La... Oui. Et ça sera oui, ça sera fait. ça fait avec ça. La... La... Parce que dans ça tout ce que vous avez, la sévérité de. de... Oui, parce que c'est pas de la sévérité. Je vous ai écouté, effectivement, vous donniez. Vous faites la confusion en fait entre musulmans et islamistes. C'est ah pas non, la même chose sais, Ah si, 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 ah, si, parce qu'on peut très bien, je, je l'ai dit, on de peut très bien islamique. être français musulman, mmh. évidemment qu'il n'y a aucun problème. Mais il y en a qui choisissent la voie de l'islamisme. Et là, on tombe sous le coup de tout ce, ce qui est, est écrit qui dans ces textes de là, loi. Ce sont des musulmanes, ce sont des Non, mais pas des elles ossalis, envoient un, un signal. Alors, Quand Marine Le hum. Pen dit que c'est complexe, effectivement, entre une grand-mère, moi j'en vois, je prends les transports en commun, 15, Donc, est 70, qui 60, va non, est 60. Non, ce n'est pas l'âge, mais c'est tout simplement ce que véhicule le fait d'une jeune femme de 20 ans qui ostensiblement porte un voile. Moi, j'en ai croisé une, c'était assez drôle. Enfin, drôle, non, ce n'était pas drôle. Dans le RER, il y avait une grand-mère de 60. Disons, enfin à peu près, qui portait euh, un voile, un, qui portait Et elle avait peut-être fait des ménages toute sa vie. Bon, voilà, c'était l'apaisement. Euh, et puis, il y avait une jeune fille qui soutenait du regard, parce que j'ai regardé. Et elle me soutenait, elle me défiait, en fait. Et ce n'est pas la même chose. Vous savez, je vais vous dire, moi je vais. Donc vous allez sanctionner vais... selon les regards des gens Ce sont pas des regards, là, si on, on va faire preuve misé... d'intelligence. Non, mais il y aura une loi, et pour une fois, bah, en France, la loi sera respectée. Ça va peut-être changer parce qu'il y a des lois de voter qui ne sont pas respectées. Robert il y en a Ménard, des dizaines. De Béziers, de Béziers vous dites depuis des mois que c'est inapplicable. Oui, Robert Ménard, il dit ce qu'il veut, euh, voilà, Ah, il est maire d'une grande ville, bon, bon euh, d'accord. Puis il y en a d'autres. qui faut faire de l'idéologie islamiste, c'est ça non, qui Non, mais c'est un C'est tout simplement si un, un signal. C'est un signal. C'est un étendard. Mais non, mais ça sera interdit. Oui, pour tout le monde, à l'arrivée. Voilà, ça sera interdit pour tout le monde. à l'arrivée. Marine Le Pen dit complexe effectivement non. les non, mais Jordan Bardella a été questionné ce matin. Euh, on ne va pas demander à tout le monde de se, de se raser. Mais on est quand même. Enfin, je, moi, allez, à, à Noël, moi j'ai envie d'aller un peu prendre le soleil. Je vais aller passer Noël tiens, en Arabie Saoudite. Et puis, comme je vais aller à messe de minuit, et puis je vais me faire un bon petit repas avec une bonne bouteille de vin et puis un rôti de porc. Bah, C'est ballot, hein, mais ça je ne vais pas pouvoir le faire. Hein. Bah non, parce qu'il n'y a pas d'église. Et puis il n'y a pas de vin. Pas Et puis il faut pas manger. Ah oui, d'accord. Oui oui, ouais. non mais entièrement d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu faible en France On peut se poser la question. On se laisse manger, grignoter par des islamistes. Le communautarisme qui verse vers, vers l'islamisme. Donc, Donc on le stoppe. Modèle, le modèle, c'est l'Arabie saoudite. Non mais si c'est pas du tout ce que bien. je suis en train de vous dire. Je vous dis tout simplement qu'il y a des libertés que l'on a en France qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays qui financent et qui aident ouais, l'islamisme. On ne les retrouve pas en Arabie Saoudite, euh, on les retrouve en France, on s'en félicite de les retrouver en France, ces libertés. Oui, ça que vous, vous comparez par rapport à l'absence de liberté Non, mais je vous dis, je fais un comparatif. Ouais. Un musulman en France, il peut aller à la mosquée mmh. il peut manger à l'al. Voilà, Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand on oui, va fin... dans des pays qui vivent sous un islam rigoriste, on ne peut pas exactement manger halal comme avant, si Marine Le Pen était présidente. il faudra qu'il achète de la viande halal importée. Importée parce qu'on est contre la souffrance animale. Alors, on peut discuter, on peut étourdir les, les animaux avant de les égorger vivants. Voilà, on est contre la souffrance animale euh, et on, on verra avec les responsables. Vous êtes contre des différents la souffrance cultes. animale, mais pour la souveraineté nationale. Donc mmh. ça veut dire que vous allez pousser des millions de Français de confession juive ou musulmanes, à acheter leur viande à l'étranger. Ben, ça se fait déjà dans beaucoup de pays. C'est en Belgique euh, l'abattage rituel est interdit. Mmh. Voilà. Et il n'y a, a pas que la Belgique, il hein. y a d'autres pays de l'Union européenne. D'autres pays de l'Union européenne. Voilà, on n'est pas hors sol. Si Marine Le Pen est élue, vous souhaitez instaurer la priorité nationale pour mmh. le versement des aides sociales, pour l'emploi et pour l'attribution des logements sociaux. Concrètement, pour ces logements sociaux, que se passera-t-il pour les étrangers qui vivent légalement en France et qui arriveront en fin de bail Il ne sera pas renouvelé Alors, en fin de bail, donc, parce qu'il y a des. En fait, ce qui est terrible, euh, je vais répondre à votre question, mais euh, moi, j'ai fait une autre vie avant. Je suis journaliste, j'ai vécu mmh. plusieurs campagnes euh, présidentielles de l'autre côté du miroir. Je la, vois, je la vis maintenant de l'autre côté et on passe notre temps à répondre à des fake news, à des invectives et on, on une parle. Fake news non 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 non, non non, je dis globalement, moi je suis déçu par cette campagne électorale, voilà, parce qu'on ne parle pas des projets. Euh, Emmanuel Macron est rentré en campagne, allez, il y a une dizaine de jours. Mm -hmm. On n'a pas du tout parlé de son bilan qui est catastrophique, y compris sur le plan économique, parce que le Mozart de la finance, euh, il a dû perdre euh, ses, euh, ses partitions. Euh, voilà, moi je suis extrêmement déçu. Pour répondre à votre question précisément, j'ai effectivement ça entendu cette expression dans la bouche de Jordan Bardella ce matin. Mozart quel... a perdu ses partitions. Ah, ah oui, d'accord. Bon, on s'en reprend finance. tous alors. On, oui. alors. on va faire des copyrights, alors. On va savoir qui touche les royalties. Euh... Donc pour répondre à votre oui. question, c'est à la fin du bac. Qu'effectivement, que oui. quand il y a deux dossiers sur la table, eh bien, il y aura une priorité accordée donc, aux Français. Ils seront mis dehors ceux dont le, le bail ben, arrive à terme. Le bail ne sera pas euh, ouais, D'accord. Au risque de les obliger à chercher dans le privé ce qu'ils, ce qu'ils n'auront peut-être pas les moyens de payer. Il y a des Français qui euh, pourraient avoir droit au social et qui cherchent dans le privé parce qu'ils n'ont pas et n'ont pas les moyens de se priver, donc ils sont à la rue. Donc, on donne la priorité aux Français. Oui. Ils sont là légalement, mais ils seront mis dehors. On est ben, bien d'accord. À la fin du bail. Mmh. Ah oui, mais il y a des Français qui vivent dehors, qui vivent dans des tentes, qui vivent dans des voitures. Vous savez, il y a même des policiers, moi j'ai appris ça dernièrement, euh, qui travaillent en Ile-de-France, qui vivent euh, et qui dorment dans leur voitures. Bon, voilà. Bah, eux auront la priorité au logement social. Ce matin, Jean Castex était au micro de France Inter et avec un ah, et coup je... de main de Jean de La Fontaine, le Premier ministre en a appelé à une fable pour évoquer Marine Le J'ai entendu. Vous connaissez les oui, femmes de oui, oui. la Fontaine Il oui, oui. y en a une, je vous le dis, je la vois apparaître avec ses chats, vous voyez, pour se rendre aimable et sympathique. Et ça me rappelle une femme, je ne sais pas, les merveilleuses, ce sont toujours d'actualité ces femmes, qui s'appellent le chat, la belette, et le petit lapin. Là, il y a un chat qui s'appelle Ramina C'est un chat, dit La Fontaine, faisant la chatte-mythe. Ce chat, hein, il est tout doux, tout gentil. Et quand ce pauvre petit lapin et cette pauvre belette arrivent jusqu'à lui, il, est il les bouffe. croque, il les mange. Bon, eh ben, c'est ça, derrière Marine. Il y a toujours euh, un Le Pen. Il faut quand même le rappeler. En fait, je ne sais pas si euh, ben, c'est pas Le Pen qu'on qu qu cache, mais parce que la candidate revendiquait plus Marine en 2002, en 2012, et aujourd'hui c'est Marine Le Pen. Mais en fait, a, ce que veut dire le premier ministre, c'est qu'il y a certains éléments du programme qui sont laissés dans l'ombre par rapport au pouvoir d'achat, évidemment, et à la sécurité. Pouvoir d'achat, on le laisse dans l'ombre Non, non, au contraire. Ah oui, bah oui, on le met en avant parce voilà. que c'est quand même la première préoccupation Et il y a des Français. Aspects d'autres aspects du programme, ceux qu'on a pu évoquer à l'instant, qui sont mis dans l'ombre. C'est ça qu'il a voulu. C'est la parabole que le premier ouais. ministre a voulu ah. illustrer. Ouais. Avec bon, sa, on en est là. Mais ça rejoint ce que je disais à l'instant. Moi, je suis déçu par le niveau de la, la campagne. Enfin, quand on entend un premier ministre qui en est là, quand même, on pourrait parler des problèmes de fond. Voilà, on parle le, du pouvoir d'achat. On parle. Enfin, faut voir. Moi, je distribue des tracts dans l'Oise. Je, je vais vous raconter une histoire très rapidement. Euh, il y avait trois jeunes retraités qui ont pris notre tract hein, sur le pouvoir d'achat. Et euh, j'ai écouté leur conversation. Il y en a une qui disait à l'autre :« Moi, pour économiser un peu les. ..» maintenant vous savez je fais ma vaisselle à l'eau froide et je me suis dit non, en 2022 et les gens en sont à s'échanger des conseils je fais ma vaisselle à l'eau froide et elle disait mais ça dégraisse moins bien mais bon euh, voilà ça me permet d'économiser un peu d'énergie voilà bilan d'Emmanuel Macron au bout de cinq ans euh, son quinquennat voilà c'est merveilleux, super, une dette qui a explosé 600 milliards euh, d'euros notamment à cause du quoi qu'il en coûte et non, non, il y a une planification pour le remboursement de la dette non, non, mais, Macron, si... hein. non mais juste 600 milliards d'euros mais euh, la dette Covid, comme on l'appelle c'est 185 milliards, source euh, rapport de la Cour des comptes, c'est pas vous nous qui l'avançons le, le reste, le reste c'est de la mauvaise dépense avec le programme de Marine Le Pen oui parce que la la y a des économies, 68 milliards d'économies, 68 milliards de dépenses, c'est chiffré j'incite tout le monde à aller sur le site Aime la France il y a tous les livrets thématiques il y a tout le projet de Marine Le Pen, toutes les lois donc qui seront présentées et votées quand on aura une majorité à l'Assemblée nationale et tout est chiffré. En okay. attendant, Marine Le Pen et ses proches sont accusés par l'OLAF, l'Office européen de lutte anti-fraude, d'avoir détourné plus de 600 000 euros d'argent public européen au cours de leur mandat d'eurodéputé. C'est un nouveau rapport qui a été remis en mars à la justice française. Alors Marine Le Pen a dénoncé un coup fourré de l'Union européenne à quelques jours du second tour. Vous accusez donc l'Union européenne de vouloir se mêler... Du choix des Français d'influencer cette élection. Bah, cet organisme, déjà, on a déposé deux plaintes. Il y aura peut-être une troisième plainte de, de déposer euh, toutes ces informations vous les avez parce que ça fuitait par Mediapart. Oui. Tout alors tout pour fait. mémoire, euh, Mediapart a soutenu Jean-Luc Mélenchon hein, au premier tour et Mediapart avait la, fait la même chose en 2017. Mediapart publie Marine, des extraits Marine, Marine Le... oui, de mais ils les ont eu Alors ils... non, mais oui, c'est vrai, tout juste. Mais alors, ce qui existe. est curieux, c'est que Marine Le Pen n'a eu aucun extrait, hein. aucune page, aucun document. Bon. Mediapart euh, les a euh, sur son bureau, visiblement. Donc, euh, très très bien. Ça, ça détourne le problème, le fait est que. Non, qu est, y ça ne détourne pas le problème, c'est ce qu'on appelle les boucles puantes. Voilà, tout simplement. Et euh, Marine Le Pen et les personnes concernées démentent tout à fait euh, ces, ces allégations. Mais donc vous dites que l'Union européenne se mêle là des choix des Français ou Non, mais cet organisme, on le sait, enfin, encore une fois, deux plaintes ont été déposées euh, par Marine Le Pen contre cet organisme perquisition de nuit euh, dans ses bureaux, ce qui est interdit. Et euh, j'ai oublié le motif de la, de la deuxième plainte. À la justice française finalement d'agir au, au plus vite pour éclaircir. Euh... Bah de faire son, oui, de faire son travail. Mais alors la justice française, par exemple, euh, parquet national financier sur McKinsey, euh, dossier enfin, commission d'enquête parlementaire transmis au PNF pour François Fillon, ils ont été très ratifiés. Réagir. Et là, il doit faire un gros dodo, le PNF. Il n'y a plus de nouvelles. McKinsey... Euh... En tout cas, le Sénat réagit euh, en lançant une cette une commission parlementaire. Oui, d'accord, une enquête a été ouverte. Une enquête, ça peut durer, euh, allez, trois mois, six mois, un an, deux ans pour François Fillon. Hein, ça a été très rapide, on s'en souvient tous quand même. Mmh. Il y a peut-être deux vous... poids, deux mesures. Mais là, vous soupçonnez quoi pour euh, McKinsey Il ah bah, que... ah bah, y, y a le dossier de McKinsey et puis il y a le travail quand même des magistrats du parquet national financier. Des fois, ils sont extrêmement rapides et des fois, euh, je disais, ils font un gros dodo, disons mmh. qu'ils ne sont pas très très rapides. Mais vous soupçonnez quoi en l'occurrence ah bah que ça ne enfin voilà, vous là, interroge pas quand même, là. que parfois ils peuvent aller très vite, comme en janvier 2017. Non, on parle de McKinsey. Et... Ah, là, de On McKinsey. parle de fiscalité, là. De McKinsey, oui. Bah, c'est de l'argent public qui arrive dans une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France. Oui. Déjà, rien que ça, il y a matière à Mais c'est un homme qui d'Emmanuel Macron Parce que c'est ça dont on McKinsey. parlait euh, Non, pour, McKinsey, euh, c'est. François de, Fillon. Vous faites le parallèle avec Philippe, oui. donc on se dit qu'il y a un il y a des gens de McKinsey euh, qui voilà. ont fait la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, oui. bénévolement d'ailleurs, et qui après ont conseillé le gouvernement, notamment sur la campagne de vaccination. Pas que, mais ce sont des milliards d'euros qui ont été versés à McKinsey qui payent ses salariés. De, euh, donc des des salariés qui ont peut-être fait... <laughs> des millions, des millions, pas des ah milliards. Ah non, des milliards. On va bah, vérifier euh, des chiffres d'affaires de McKinsey en France, 50 millions d'euros par an. Sur plusieurs années, ce sont des milliards qui ont été versés à McKinsey, qui payent évidemment ses salariés, et certains, bénévolement, avaient conseiller manuel en 2017 l'argent que euh, vous avez sans doute capté du parlement européen ça c'est des milliards non mais euh, des milliards ah, non. Des des ah, des ah oui voilà oui non, Mais attendez c'est des centaines de pas millions c'est déjà pas mal il n'y a aucune condamnation l'affaire n'est toujours pas jugée bah, et faire on attend test les faits voilà par contre il y a au moins des mises en examen il y a au moins des, en McKinsey, au moins vous des mises vous en examen de Patrick Cohen que c'est établi ils ont eu des contrats ils ont été payés les contrats, non enfin, oui. Je sais pas. Alors, on, on, est qui est on zappe la haute fonction euh, publique comme si on n'avait pas de fonctionnaires euh, français. On voit très bien euh, ce qui se euh, trame dans la tête d'Emmanuel Macron. Lui, c'est toujours la start-up nation, hein, nation. Non, mais c'est le business. Donc du il a... C'est pas illégal. Non, il a. C'est pas illégal. On peut peut-être se renseigner quand même avant euh, un appel d'offres. Est-ce que ces entreprises payent leurs impôts en France La réponse est non. Mm. Donc de l'argent public. Qui arrivent dans des entreprises euh, situées à l'étranger qui ne paient pas d'impôts en France. Je pense que ouais, en distribuant les tracts, moi, parce que j'aime beaucoup le terrain, euh, je vais voir les commerçants et ils m'en parlent de cette euh, affaire parce que ça les a beaucoup euh, choqués. Eux, ce qu'ils euh, vendent, ils l'ont produit et ils payent des impôts euh, là-dessus. Tout est clair, tout est nickel. Oui, oui. McKinsey, accorde l'argent public à une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France. Franchement, il fallait l'imaginer. Hein. Vous restez avec nous, on va parler du débat oui, avec, avec Mohamed Bouafsi. Mohamed Léa Salamé, Gilles Boulot pour arbitrer euh, le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Un débat où rien n'est laissé au hasard. Oui, c'est ici à la plaine Saint-Denis qu'aura lieu le débat du second tour entre le président candidat Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Tout est réglé au millimètre. Un studio à 19 degrés. Les candidats qui seront à 2,50 m l'un de l'autre et à 4 mètres avec les présentateurs. Gilles Boulot pour TF1 et Léa Salamé pour France Télévisions seront à l'écran uniquement quand ils parleront pour se focaliser sur les protagonistes. Pour présenter ce débat, le Rassemblement national avait une liste noire. L'hypothèse Anne-Sophie Lapix a été rejetée par le camp de Marine Le Pen. Hier, sur ce plateau, Emmanuel Macron a confié ne pas avoir récusé de journalistes. Les deux candidats ont été consultés, mais pour ma part, je n'ai récusé aucun journaliste ni aucun réalisateur. C'est un peu la convention de consulter les candidats Est-ce que c'est une convention qu'il faut maintenir à l'avenir Est-ce que vraiment... Bah, c'est-à-dire que ça marche s'il n'y si a pas une liste rouge trop longue. D'ailleurs, je n'ai récusé aucune et aucun confrère à vous. Je suis resté dans la position qui me semble être celle qu'on doit avoir, c'est-à-dire que les deux principales chaînes, une du secteur public, une du secteur privé, mmh. bah, proposent. Je considère que ce, ce sont des professionnels mérités et reconnus, et la même chose pour les réalisateurs. Plusieurs tirages au sort ont eu lieu aujourd'hui pour connaître le déroulé de ce débat. Marine Le Pen prendra la parole en, en, première. Euh, en premier. Le tirage au sort a également désigné le pouvoir d'achat comme premier thème traité euh, demain soir. Et n'y voyez pas de signe politique, mais contrairement à 2017, Emmanuel Macron se tiendra à gauche tandis que Marine Le Pen sera à à droite, décision encore une fois du tirage au sort, comme Anne Sophie Lapix, le célèbre réalisateur de télévision Tristan Carnet a lui aussi été récusé par le rassemblement national. Son tort, en 2017, il avait filmé des plans de coupe, ces fameux plans où l'on voit des réactions du visage, des images qui montraient une Marine Le Pen hésitante, cherchant des informations dans ses fiches ou encore ne pouvant pas cacher son agacement. La réalisation naturelle d'un débat, c'est ce que regarderait un téléspectateur s'il était en plateau. Et je pense que naturellement... Si vous faites venir quelqu'un sur un plateau, son regard va se porter d'un candidat à l'autre assez naturellement, mais pas forcément pour être sur celui qui parle. Elle dit qu'on l'a vu regarder ses notes, c'est vrai, on l'a vu regarder ses notes, mais à un moment où elle parle. Et donc, ça, naturellement, la caméra était sur elle, et donc elle regarde ses notes, mais euh, voilà, au moment où elle parle. Donc, elle sait qu'elle est filmée. Le fait de pouvoir voir un candidat silencieux qui acquiesce, qui a une moue dubitative, ou qui au contraire est un peu enragé, raconte quelque chose au téléspectateur. Demain, aux commandes de ce débat, on retrouvera Didier Froli. En 2007, le réalisateur avait conseillé Nicolas Sarkozy pour son débat face à Ségolène Royal. Didier Froli ne pourra utiliser que les plans de coupe où l'un des candidats regarde son adversaire. Le RN a insisté sur cette condition pour ne pas revivre la mauvaise expérience de 2017. C'est débat le retour. Ça me fait penser au Rocky, etc. C'est un peu ça. Les plans de coupe seront comptabilisés. Donc, je peux très bien passer 100 et 100 comme 10 et 10, tout dépend. Il y en a un qui parle, je reste sur lui et euh, j'espère que ça sera validé. Il y aura des plans de coupe, mais qui seront euh, euh, saupoudrés. <laughs> Ce ne sera pas la pêche aux réactions, ça sera de temps en temps, parce qu'on est, on est là pour mettre en valeur le fond qui exprime chaque candidat. Philippe Ballard, Marine Le Pen avait raté son débat en 2017. Elle a confié avoir regretté d'avoir été aussi agressive, d'avoir plus attaqué son adversaire que défendu son propre programme. Elle va changer de, de stratégie demain. Alors déjà, je, je voudrais vous reprendre parce que ce n'est pas la candidate d'extrême droite qui sera face à Emmanuel Macron demain. Parce que l'extrême droite, c'est une définition précise quand même. On réfute le régime parlementaire. Vous réfutez le thème... D'extrême de, droite Oui, oui, tout à fait. Et je vous explique pourquoi, parce qu'un ré... parti d'extrême droite réfute le régime parlementaire. Euh... Non, non, mais à lire attendez. Et oui, essayer... non, mais c'est pour se prémunir de l'islamisme. Euh, Marine Et Le Pen a 11 quel... millions quel... de voix en 2017. De... On se retrouve avec sept députés. Est-ce que vous avez eu une marche sur l'Assemblée nationale Est-ce que le 6 février 34 s'est reproduit Non. Un parti d'extrême droite, c'est un parti qui pratique la violence. Est-ce qu'on pratique la violence nos militants sont victimes de violences. C'est un, dé... un parti qui refuse le débat. Est-ce que nous refusons le débat bah, euh, Vous recevez des représentants du plateau. RN souvent sur ce plateau, très bien. J'espère que je ne pas le dernier et vous en recevrez d'autres. Donc mais, pas par... mais la ce n'est candidate... pas la représentante d'un de parti d'extrême-droite. Candidate... ce qui est terrible dans cette campagne, c'est qu'on passe son temps voilà, à euh, déminer tout ce qu'on nous balance à la figure. En tout cas, vous, vous reprenez euh... juste le thème d'extrême-droite, mais vous n'avez pas répondu à ma, à ma question. Est-ce qu'elle va changer de stratégie et pour information, Marine Le Pen a refusé le débat puisqu'elle ne vient pas sur ce plateau. Mais juste, est-ce que vous pouvez non, revenir pas, sur attendez. ma question Emmanuel Macron ne va pas dans un certain nombre d'émissions. Vous savez, Cyril Hanouna, il a Nouna, il a refusé d'y aller. Du coup, juste Marine sur ma, le Pen a sur a ma a question, est-ce qu'elle va changer de stratégie Non, mais ça, de vous, le verrez, vous le verrez demain soir. Alors, non, mais je vais. Euh, ce qui est terrible, parce que ce qui était dit, là, c'est un peu. Ça ne sera pas un match de boxe. Marine Le Pen elle souhaite un débat apaisé. Voilà. Ça sera projet oh, contre projet plus bilan. Contre bilan 2017. Plus bilan. Ouais. On Donc en vous répondez à la question de Mohamed. Donc, voilà. Ça sera présentation du projet. Elle, est apaisée. Elle veut une France apaisée après un quinquennat qui a divisé, clivé, mis le feu aux poudres. On se demande même si Emmanuel Macron ne prenait pas un, un savant euh, plaisir. Donc voilà, projet contre projet plus, parce que c'est la différence hein, par rapport à 2017. Bilan. Là, il y a un, il y a un bilan pour Emmanuel Macron il n'en a pas parlé. Pas du tout parce qu'il est catastrophique. On parlait de l'économie tout à l'heure, en point de vue sécurité. Enfin, il y a une agression gratuite toutes les 40 secondes en France. On peut se faire. Oui, le chômage qui jamais... Alors contrairement a jamais à ce que dit. Jamais. Alors, je vais vous dire, alors, je ne savais pas qu'on allait en parler, mais justement tout à l'heure, ouais, ça, ça c'est la courbe de Pôle emploi chiffre de la Dares. Mmh. quand Emmanuel Macron dit jamais le chômage n'a été aussi bas, catégorie A, et j'invite tous ceux qui nous regardent à aller sur le site de Pôle Emploi et regarder les courbes. Ça c'est A, B et C. A, ce sont les gens qui n'ont aucune activité. B et C, ceux qui travaillent. voit pas grand-chose un... hein. Non, mais alors je vais vous le dire. Alors, que que est on des... est à 5 1... 400 000, d'accord. Mmh. Et il y a 15 ans, on était à 3 200 000. Alors maintenant, il va falloir nous expliquer. n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans. Personne ne autre chose que si, ça. Si, si, Emmanuel Macron dit jamais le non. chômage n'a été aussi bas depuis 15 ans. Fake mmh. news. Voilà. Et nous, on passe notre temps, alors à déminer, oui, mais ça, ça alimente le. La Jamais. Bah, quand vous la regardez la cour, pardon, oui, quand oui, on c est, c est à 3 millions deux bah, c'est les chiffres de la Dares, de Pôle Emploi. Alors oui. vous pouvez dire, c'est défiant. Ils, partielle ils partielle sont nuls. Même. Non. A, B oui, et C, y compris les gens d'activité oui. partielle, ouais, c'est ça. Voilà. A, B et C. Donc, si, et là, c'est la catégorie A, celle Et Vous allez me dire qu'elle est, le chômage est à la recherche à l'instant T. Voilà. Ah, là, notre réalisateur a, a tenté bon. un plan de coupe sur votre oui, non, graphique. Alors, <laughs> et là, pour le coup, si vous avez euh... le temps d'ici la fin non. de l'émission, bah, je peux vous le refaire, voilà, non, non. Euh, si ça peut vous arranger. Okay. Okay. Voilà. Bah, on a, on alors, a fait on aura un maximum. débat serein, c'est en tout cas le vœu de Marine Le Pen, demain, on va pouvoir tout mettre sur la table et échanger euh, sereinement, calmement, ce qui n'a pas été euh, le cas dans le pays euh, depuis cinq ans. Merci beaucoup Mohamed. Émilie, la bataille du Donbass a démarré hier en Ukraine. La Russie avait annoncé qu'elle allait concentrer ses forces sur l'est de l'Ukraine le 25 mars dernier. Depuis l'Ukraine retenait son souffle jusqu'à hier soir. Des dizaines de frappes menées dans le Donbass selon l'armée russe. Aucune ville de la région du Donetsk ne sera épargnée. Information confirmée par le président ukrainien Zelensky. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити. Face à sa détermination, l'ultimatum de l'armée russe, dans un communiqué, elle appelle les derniers résistants de la région de Donetsk et particulièrement de Mariupol à rendre les armes s'ils veulent la vie sauve. Peu de temps après, le ministre de la Défense russe a accusé les États-Unis et l'Occident de tout faire pour retarder la guerre. Bonsoir, Elise Gosset, Bonsoir. éditorialiste spécialiste des questions internationales à BFM TV. Merci de votre présence ce soir. Cette bataille du Donbass, elle est cruciale pour Vladimir Poutine. L'objectif, c'est de gagner et vite. C'est au moins d'avoir une victoire, effectivement, rapidement, parce que pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'opération militaire spéciale, entre guillemets, puisqu'il ne parle pas de guerre, ça a été plutôt un, un, un fiasco. Et pour moi, l'image du fiasco, c'est l'image du croiseur Moskva qui a sombré en mer Noire, qui a été touché donc par deux missiles ukrainiens. Et ça m'a rappelé, on voit cette image donc ouais. sur l'écran, ça m'a rappelé, vous savez, quand Poutine arrive au pouvoir dans les années 2000, il y a eu un autre incident comme ça, c'était un sous-marin qui s'appelle le sous-marin Kursk. Et c'est un sous-marin qui avait donc eu un accident au cours du lancement d'une torpille. Et malheureusement, donc, euh, le sous-marin a coulé et euh, les 110 membres d'équipage sont morts. Et ce drame, si vous voulez, s'est produit en temps de paix et là, on est en pleine guerre. Et le fait que le navire amiral de la flotte russe euh, soit coulé comme ça, c'est un désastre, euh, même si effectivement à Moscou, on en parle peu. Donc il faut effacer cette humiliation et le, et le plus vite possible. Nous nous défendrons, de son côté Zelensky. Euh, L'Ukraine a vraiment les moyens de résister Surtout, elle a le moral. Elle a la, la volonté de vaincre, parce que les, les Ukrainiens, ils se battent pour leur peau. En fait, ils sont prêts à mourir tous les jours. Euh, les Russes, ils vont, euh, je ne dirais pas à reculons, mais on, on a vu des images euh, assez éloquentes de, de jeunes conscrits qui euh, débarquaient en Ukraine alors mmh. qu'ils ne savaient même pas où ils étaient, qu'ils pensaient qu'ils étaient en manœuvre et ils sont là pour faire la guerre. Euh, mais l'image que vous avez montrée ce soir, je trouvais être extrêmement importante et impressionnante. C'est quand on voit le ministre de la Défense, Sergei Shogou, avec tout son état-major, là on voit vraiment euh, la, la force de l'armée russe. C'est-à-dire qu'on a ce, ce quadrillon de généraux euh, qui est vraiment euh, déterminé euh, à en découdre. Il faut savoir que Poutine vient de nommer un nouveau commandant en chef de l'opération en Ukraine, c'est le général Dvornikov, et qui était le patron des opérations de la guerre en Syrie. C'est lui qui a été l'homme qui a anéanti finalement la résistance syrienne, qui a anéanti des villes comme Alep en les détruisant comme euh, les Russes essayent aujourd'hui de, de détruire euh, Mariupol. Et donc le fait qu'il nomme euh, un homme qui a été capable de, de, de tous ces crimes de guerre hein, en, en Syrie et capable de le refaire en Ukraine, c'est ça le danger, parce que les rapports de force mmh. sont quand même très défavorables à l'Ukraine. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a euh, l'arrivée de, de 11 bataillons russes supplémentaires euh, dans le Donbass, avec ceux qui étaient déjà en place, ça fait à peu près 85-90 bataillons, euh, ça veut dire que c'est près de 100 000 hommes, et en face, il y a quelques 100 000 Ukrainiens. Donc on va assister dans les semaines qui viennent à un face-à-face -face terrifiant et, et sans doute meurtrier. Parce que les Russes, non seulement sont aussi nombreux que les Ukrainiens, mais ils ont en plus beaucoup de à canons, d'artillerie, euh, des avions euh, et des missiles de croisière qui peuvent bombarder. Et d'ailleurs, les images qu'on a vues, ça démontre qu'ils ont commencé effectivement à bombarder. La Russie très armée et qui pourtant reproche aux Occidentaux de faire durer la guerre en aidant l'Ukraine par des livraisons d'armes, comment est-ce qu'on doit interpréter cette nouvelle euh, euh, plainte de Vladimir Poutine ben C'est une forme de mise en garde aux Occidentaux. C'est-à-dire, n'allez pas trop loin, parce que si vous allez trop loin, ça sera la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, il les met en garde en disant, d'ailleurs, euh, si vous continuez à armer les Ukrainiens comme vous le faites, si vous dépassez la ligne rouge, alors on ne sait pas exactement quelle est la ligne rouge, mais on voit bien qu'il y a une forme de, comment dire, d'exaspération de la part de Poutine qui voit qu'effectivement, il pensait arriver en Ukraine en libérateur, entre guillemets, il voulait faire de l'Ukraine finalement une, une province russe, il voulait faire comme la Crimée, annexer l'Ukraine et éradiquer la culture ukrainienne, liquider les élites et l'armée. Et là, il se trouve face à une résistance assez impressionnante et qui était totalement imprévue. Et donc quand il voit que les Occidentaux continuent à armer les Ukrainiens, et il, a, il a raison de dire d'une certaine manière que l'aide occidentale prolonge la guerre, mais je dirais moi qu'elle prolonge surtout la résistance. À une invasion d'un pays donc, qui ne considérait rien comme pas. Colli... Il veut nous considérer, considérer l'Occident comme des co-belligérants, en fait, c'est euh, ça euh... il, il aimerait pouvoir le faire, mais euh, franchement, il, il n'a pas forcément intérêt, parce que lui non plus ne, ne souhaite pas forcément une, une troisième guerre mondiale, mais on voit bien que la ligne de crête est, est, est très, 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 très faible, pour, et donc ça pourrait basculer d'un moment à un autre. Pour l'instant, on ne franchit pas le pas, et surtout parce que les Européens, Macron comme les autres, veulent vraiment faire attention à ne pas déclencher un conflit hors de l'Ukraine. La Russie qui a connu des pertes terribles euh, sur le plan humain, euh, on ne les a pas chiffrées exactement, mais enfin, c est, c est, on sait qu'il euh, y a eu plusieurs chiffres qui ont, qui ont circulé de la part du Pentagone, euh, 10 000, 15 000 militaires morts, ce qui est considérable dans ce laps de temps. Où sont les morts Est-ce que la Russie a vu... Euh, a vu ces morts revenir du de théâtre Alors, de combat. On a vu des morgues euh, qui ont été déployées euh, en, Ukraine. en Ukraine par les Russes, mais c'est un secret euh, militaire. Euh, même les, les familles euh, des, des, des combattants, on parlait du bateau du, du croiseur Moskva. Euh, officiellement, il n'y a, a pas de nombre de, de victimes, même dans ce que les Russes ont appelé une explosion et même pas un tir de missile. Donc euh, tout ça, ça fait partie effectivement des, des secrets défense. Euh, mais les familles parlent. C'est assez étonnant parce qu'en Russie, il y a déjà eu des, des témoignages euh, de mères qui ont dit Mon fils est parti il y a quelques mois et puis en fait, on m'a appris qu'il était mort, mais on ne m'a pas dit ni où ni comment. Mais en fait, tout le monde sait qu'il est mort en Ukraine. Donc oui, il, Poutine essaie de cacher le nombre de, 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 de victimes, de, de soldats morts, mais ce qui est vrai, c'est que en, en 10 ans de guerre en Afghanistan, il y a eu à peu près 16 000 morts euh, russes. Et là, on est effectivement on est à, à 55 jours et on est quasiment au même montant. Mmh. C'est-à-dire que la proportion est effrayante. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une campagne extrêmement meurtrière. Mais franchement, la propagande russe euh, ne l'indique absolument pas. C'est-à-dire que pour Poutine, euh, l'opération suit son cours, les objectifs sont atteints. Et le 9 mai, il veut effectivement, semble-t-il, vouloir célébrer au moins une victoire. Alors on voit mal comment entre aujourd'hui, le 19 avril et le 9 mai, il pourrait. Conquérir le Donbass, ça paraît pratiquement impossible parce qu'on euh, on voit la résistance à Mariupol, par exemple. Euh, c'est un siège historique, hein, qui va rester dans l'histoire, certainement comme une grande bataille, euh, mais c'est presque c est, c est, c est sept semaines de siège à Mariupol. Euh, on peut imaginer qu'il y ait des Mariupol euh, dans le Donbass. À Slovansk ou, euh, ou ailleurs. Et donc, s'il y a des petits Mariupol partout, ça va être un désastre, à la fois humanitaire d'abord, bien sûr, mais aussi sur le plan militaire et sur le plan de, de l'opinion publique, des opinions publiques. Et plus euh, on s'enfonce dans la guerre, plus ça incite éventuellement les Occidentaux à augmenter leur aide, euh, le niveau de, des armes que l'on fournit. Euh, Aujourd'hui, vous savez, on, on fournit des tanks, des blindés. Au début de la guerre, on parlait uniquement de, 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 de lance-missiles. Donc il y a une, une montée en la puissance, en puissance de, la, de la guerre qui est un, un peu inquiétante d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on peut se demander si Poutine n'arrive pas à vraiment avoir une victoire significative, euh, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il est qu ne serait pas capable d'employer des armes encore plus meurtrières Et on pense évidemment euh, aux armes chimiques, euh, et, et pourquoi pas éventuellement à une arme nucléaire. Ça paraît totalement fou, mais qui aurait pu imaginer que cette guerre puisse être déclenchée quand même, ça fait 55 jours. Et moi, personnellement, je, quand j'y je, quand pense chaque jour, je suis effrayé, je ne comprends pas et je, je ne peux pas m'expliquer qu'on ait pu arriver à, à, ces, à ces atrocités, à, ce, à ces combats quotidiens à 2h30 de Paris, alors que l'Ukraine, certes, n'est pas un pays qui avait... Euh, comment dire Les Ukrainiens ne sont pas des enfants de cœur non plus. Mmh. Et ils ont certainement bloqué aussi les négociations sur le Donbass, mais enfin de là à justifier une guerre, jamais euh, on aurait pu y penser et personne ne le pensait vraiment. L'utilisation des armes chimiques, c'est ce que croit aussi Volodymyr Zelensky, qui lui apparaît de génocide. Il a invité d'ailleurs Emmanuel Macron une nouvelle fois à venir à Kiev pour se rendre compte, Ce à quoi le président a répondu, c'était hier sur le plateau de C'est à vous. J'irai à Kiev, je retournerai à Kiev, mais j'y retournerai. Pour apporter quelque chose d'utile, pas simplement pour témoigner d'un soutien, parce qu'il est évident, faut... je n'ai pas besoin d'aller à Kiev pour témoigner de ce soutien. J'ai parlé euh, pas une quarantaine de fois au président Zelensky depuis le début du conflit, je lui ai encore parlé la semaine dernière. Donc ce soutien, il est acquis, il est acté, il est constant, mais si je vais à Kiev, c'est pour essayer de changer la donne. Et donc c'est là-dessus que je travaille depuis des semaines et que je continuerai de travailler. Ce n'est pas simplement pour marquer un soutien symbolique. Il a raison, il fait une erreur en ne se rendant pas à Kiev. Bah, il ne pouvait pas se rendre à Kiev parce que c'était euh, d'abord c'était dangereux. Imaginez qu'il y ait eu un, je sais pas, un bombardement du train dans lequel se trouvait euh, Macron ou bien qu'il euh, y ait eu un incident. C'est dangereux et surtout effectivement enfin, à quoi sert une visite euh, à Kiev si ce n'est peut-être effectivement euh, afficher son soutien. C'est déjà important. Euh, mais ce que veut dire le président là, semble t-il, c'est qu'il veut y aller en étant utile, c'est-à-dire pas simplement pour euh, serrer la main de Zelensky, mais effectivement peut-être pour apporter quelque chose. Alors la question est, est posée euh, dans, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on dit qu'il ira à Kiev si le président Zelensky lui en fait la demande mmh. expressément. Pourquoi Parce que Macron a été accusé au cours des dernières semaines, finalement, de, de trop parler avec Poutine. Et ça n'a pas... De Macroné, c'est... De, de Macroné, que, voilà. En Et c'est vrai que, bon, même des, des, des chefs de gouvernement, comme le président du Conseil italien, a dit, finalement, je m'interroge ah, sur l'utilité de... Sur l'efficacité voilà. de dialoguer avec Poutine. Euh, mais jusqu'à présent, Zelensky a toujours dit qu'il soutenait la démarche de Macron. Oui, c'est ça. Et donc, quand Zelensky dit euh, à Macron, ça serait utile d'y aller, on peut imaginer okay. qu'il irait pour, par exemple... Effectivement, apporter une aide supplémentaire, annoncer un blocus. Une fois l'élection euh, du 24 avril passé, quel que soit le, le gagnant, il y aura un, un, un changement de la donne. C'est-à-dire que si Marine Le Pen était élue, ça changerait du tout au tout la nature des relations entre l'Ukraine et l'Europe et, et la France. Et si Macron était réélu, alors il faudrait effectivement qu'il s'engage encore plus. Et on peut imaginer que là, il irait à Kiev, peut-être pour annoncer peut-être un blocus euh, du gaz et et, et, et du pétrole russe, parce que la France y est favorable, mais n'oublions pas une chose. Pourquoi n'y il pas allé aussi Parce que ce n'était pas simplement Macron qui irait. C'était le président de l'Union européenne. Il représenterait tous les Européens. Or, il y avait des Européens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce voyage. Euh, néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que le voyage était envisagé, il a été étudié, et on s'est demandé si c'était bien ou pas de le faire, et quelle serait l'utilité, effectivement, pour essayer de. Le bénéficier, en quelque sorte. Oui, mais peut-être surtout. Euh, D'amener euh, un résultat concret. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut obtenir un cessez-le-feu C'est la priorité absolue. Et euh, lorsqu'on a demandé euh, si, par exemple, euh, Macron pourrait aujourd'hui téléphoner à Poutine, la réponse a été Mais aujourd'hui, Poutine n'est pas en mesure d'accepter l'idée d'un cessez-le-feu. Donc à quoi ça sert Donc on voit qu'il y a aussi une sorte de, de choc de réalité euh, à l'Élysée. On se rend bien compte que euh, parler avec Poutine, ça peut être utile à certains moments. Mais malheureusement, dans le contexte actuel, Poutine est un. Un homme qui veut la guerre, qui veut soumettre l'Ukraine et euh, c'est très difficile de parler avec un dictateur. Vous restez avec nous, Lise Gosset, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir. Mathieu, bonsoir. La plateforme de livraison de repas Deliveroo condamnée par la justice. Oui, une condamnation à 375 000 euros d'amende pour travail dissimulé, de la prison avec sursis aussi pour deux anciens dirigeants. Pour bien comprendre, le tribunal correctionnel de Paris juge Deliveroo responsable d'une instrumentalisation et d'un détournement de la régulation du travail. Comprenez que la plateforme fait travailler des livreurs indépendants pour réduire ses frais. Or, ces livreurs seraient en réalité des employés. Parmi la, la centaine de parties civiles, cet ancien de Deliveroo rencontre rencontré par Camille Schmitt et Anaïs Recouli. Euh, Aujourd'hui, il a fondé un, un collectif de livreurs indépendants. Faire croire qu'on était indépendant à des jeunes travailleurs qui n'avaient pas forcément de conscience du, du code du travail, de la loi, euh, ils y croyaient, on les payait, ils faisaient un travail comme ils auraient pu faire dans n'importe quelle entreprise et puis ils étaient payés pour ça. On ne travaille pas comme des indépendants, on était dirigés, on était contrôlés, on était sanctionnés. Donc à partir de là, c'est ça qu'on appelle la subordination et c'est cette subordination qui fait qu'un travailleur, il est ou salarié s'il l'est subordonné ou indépendant s'il ne l'est pas. Donc à partir de là, la justice, le, le tribunal a bien compris que dans les détails des pièces qu'on qu a fournies, qu'on n'était pas du tout indépendant. C'était euh, une escroquerie, en fait, cette indépendance. C'est en fait le, le premier procès pénal de l'ubérisation en France. Gurvan Kristana Djaja est journaliste à Libération. Il a publié euh, Ubérisation, piège à con, et Michael Robert lui a posé la question, finalement, du modèle économique de ces plateformes. C'est la première fois qu'une plateforme est, est poursuivie au pénal et condamnée. Jusqu'à présent, les, les condamnations se faisaient surtout au Prud'homme. Donc c'est euh, en fait le système, le modèle de l'ubérisation qui est, qui est poursuivi et non pas euh, des, des, des cas... Euh isolé. Ça fait sept ans que Deliveroo est en France, 10 ans que Uber est en France également, et pour l'instant, il n'y a pas eu de débat sur est-ce qu'on voulait ou pas de, de lubérisation de notre société, Est-ce que c'est vraiment un progrès À partir du moment où ce sont des entreprises qui ne sont pas rentables, euh, donc euh, et qui ont recours à des travailleurs indépendants pour réduire leurs coûts, ça a pour conséquence de précariser, de créer des, des poches en fait de, de, de sous-traitance et parfois de, de, de précaires qui vont travailler dans des conditions délétères. On peut se dire globalement que ça a atteint ses limites. Et et qu'on ne veut pas avoir ça dans nos rues. Le statut des Deliveroo, Uber et autres plateformes est-il remis en cause Pour l'instant, chez Deliveroo, on fait savoir que l'on envisage de faire appel. L'ONU et de nombreuses ONG dénoncent l'accord conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda pour expulser des demandeurs d'asile. Londres et Kigali se sont mis d'accord. Les 28 000 personnes pénétrant illégalement le Royaume-Uni chaque année sont désormais susceptibles d'être renvoyées au Rwanda, le pays d'Afrique qui accepte d'accueillir ces demandeurs d'asile, de traiter leurs demandes de A à Z en échange de 120 millions de livres, 144 millions d'euros par an. À l'origine, c'était une rumeur et regardez déjà le ministre chargé de la question qui avait du mal à assumer. Lord Harrington possibly justify the idea of sending migrants to Rwanda. Well, we haven't sent any refugees to No, but you're thinking of doing it. That's the point. For well, people who are coming over from Calais maybe. Uh, why is that a rumor? Um, I saw it in the Times today. Uh, that is what is going to be announced in the next few days. By well, the if Prime it's Minister. happening in the Home Office on the same corridor all the time, in, they haven't told me about it. Well, <laughs> C'est quand même extraordinaire. C'est Boris Johnson lui-même qui assume son euh, quoi qu'il en coûte anti-immigration. Today, our new migration and economic development partnership will mean that anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally. since January the 1st, may now be relocated to Rwanda. Polémique au Royaume-Uni, et pas seulement. Les Nations Unies dénoncent cet accord, accord en contradiction avec les règles internationales du droit d'asile. Les télévisions anglaises sont allées euh, en parler avec des réfugiés, justement, avant qu'ils n'arrivent en Angleterre, donc chez nous, à Calais. If they take us to Africa, what are we going to do there There is no future for us in Africa. We are from Afghanistan. 20 Afghanistan Ukraine fair Des recours en justice sont en préparation outre-manche, des fonctionnaires annoncent qu'ils n'entendent pas exécuter cette procédure et en Angleterre, c'est même une autorité morale qui s'est insurgée contre cet accord, l'archevêque de Canterbury lors de son sermon de Pâques. Even to a country that seeks to do well like Rwanda ça paraît euh, étonnant, en tout cas comme mesure, Ulysse Gosset, c'est un, un euphémisme que de renvoyer des demandeurs d'asile de, de Londres au Rwanda. Oui, Et non, mais c'est vrai, vrai que l'attitude de Boris Johnson est choquante. Mais euh, je reviens à l'Ukraine. Il y a aujourd'hui 5,2 millions de réfugiés ukrainiens. C'est plus que dans toutes les autres vagues d'immigration, on pense à la Syrie, notamment aux 1,5 million de migrants qui ont été accueillis en Allemagne par Angela Merkel. Donc euh, pour beaucoup de, de gens à l'extérieur de l'Europe, et notamment dans les pays africains, au Moyen-Orient, ce qui se passe est choquant. C'est-à-dire qu'en en fait, on voit que la Pologne accueille des centaines de milliers de personnes, 1,5 million, et demi, 2 millions de réfugiés en Pologne, en Roumanie, en Europe, on, on accueille les Ukrainiens à bras ouverts. Et, et qu'est-ce qu'on fait pour les autres réfugiés Et donc en fait, c'est choquant pour les pays du tiers-monde en particulier de voir comment les Européens accueillent des migrants qui viennent d'Europe, d'Ukraine, euh, et, et, et comment on a une forme de, 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 de ségrégation entre les migrants. Donc il y, y a de quoi s'interroger, et peut-être que ce qui se passe en Ukraine fera changer le regard des, des Français à l'égard des migrants. Une dernière image, très Mathieu. Très rapidement, le premier kebab dans l'espace. Oui, vous avez bien entendu, c'est l'idée d'un restaurateur turc pour fêter les 61 ans du premier vol habité dans l'espace. Ballon gonflé à l'hélium, vous voyez, alors il y a eu débat à la rédaction, est-ce que c'est un kebab, est-ce que c'est un kefta En tout cas, ce Turc a pu récupérer la brochette à son retour <laughs> sur la planète Terre. Elle était dans quel état Oh, merci pour cette bien belle image, cher Mathieu. Merci beaucoup Philippe ]ignon. Ballard, euh, porte-parole du Rassemblement national. Merci beaucoup Elise Gossé, éditorialiste spécialiste des questions internationales à BFM TV. Ravie de votre présence ce soir sur le plateau. C'est à vous. A tout de suite pour le dîner. Les actualités de Bertrand. Il sera de retour. La story immédiate de Mohamed et l'œil de Pierre et nos invités du dîner, bien sûr. On vous attend, Nathalie Baille.